Le pape continue le discours d'ouverture. Depuis toujours, l'Église a condamné le mensonge et l'erreur. Aujourd'hui, c'est terminé. Il est interdit d'interdire, plus de contraintes d'aucune sorte. Le monde est assez grand, assez adulte pour se corriger lui-même. Il faut faire confiance en l'homme, dans sa dignité suréminente. Désormais, l'Église propose au monde sa collaboration sincère pour l'établissement de la fraternité universelle au-delà des religions. Et d'ailleurs, il y a de la vérité dans toutes les religions. Foi de Vatican II, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, même si elle subsiste partout ailleurs, même si d'ailleurs elle n'est plus catholique, car quand on détruit le dogme, comme je l'ai fait, comme l'a fait Jean XXIII dans son discours d'ouverture, foi de Gaudium et Spes 62, que reste-t-il de la foi? Du vent. Le Saint-Esprit, que nenni, c'est le vent du monde qui change. L'agionamento.